Je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans. Je suis infirmière aux soins intensifs de la Citadelle. C'est un métier prenant et rempli d'humanité. Nos patients se trouvent dans une situation médicale critique, je vais donc beaucoup discuter avec les proches, c'est primordial. Je cherche beaucoup leur regard, je veux rassurer, apaiser, expliquer. Je vais aussi beaucoup écouter. Le patient a un passé, une histoire, un vécu. Les proches ont besoin d'en parler. Vis-à-vis du patient, c'est une autre relation. Il est souvent sédaté, notre présence va donc se manifester par la voix et le toucher. C'est aussi pour cette raison que nous travaillons en équipe pluridisciplinaire avec beaucoup de complicité. Le patient doit ressentir que nous sommes focus sur lui. Avec les masques, les machines, les tubes, les communications interpersonnelles sont extrêmement compliquées. Donc on doit mettre en place des stratégies alternatives pour rentrer en communication avec le patient. Il y a aussi énormément de technicité dans notre métier. Un infirmier en soins intensifs se forme de manière continue, doit avoir un sens de l'observation clinique aigu et accompagner les médecins dans leur suivi du patient. Prendre soin intensément, j'ai ça dans le sang. Thank you.